Une chose est sûre, c'est que toutes les vieilles idéologies rances sont aujourd'hui un avocat et un porte-parole. Hein. L'antisémitisme, l'islamisation, l'islamisme et le communisme autoritaire et meurtrier. Tout ça dans une grande synthèse islamo-communiste qui s'appellerait Jean-Luc Mélenchon. Le pire du pire, la synthèse, l'extrait pur de ce qu'il y a de plus horrible sur la planète. Clairement, d'ailleurs on le voit à l'Assemblée nationale par leur attitude, les élus La France Insoumise ont probablement une idée de la définition du mot république et démocratie, mais on sent bien que ce n'est pas leur motivation première et leur aspiration première. Ils ont une vision autoritaire du monde, une vision séparatiste du monde, où on sépare les gens les uns contre les autres. La vérité doit dominer le mal, quitte à le faire taire par tous les moyens. C'est un peu ce qui ressort de l'idéologie de M. Mélenchon. Chavez, etc. On le voit.